Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour savoir quelle version de Windows vous avez et surtout les caractéristiques de votre processeur et de votre RAM ainsi que d'autres informations. Pour commencer, vous allez sur ce PC, comme vous le voyez à l'écran. Vous mettez votre pointeur de votre souris sur la partie blanche de la fenêtre, clic droit et vous faites propriétés avec le clic gauche. Une nouvelle fenêtre apparaît. C'est la fenêtre des informations de système général de votre ordinateur. Vous pouvez constater l'édition de Windows. Comme vous pouvez le voir, c'est Windows 10 Famille. Également les caractéristiques de votre processeur. Ainsi que le nombre de mémoire installée. Si votre version de Windows est en 32 bits ou 64 bits, c'est très important. Là, elle est en 64. Les fonctions d'entrée tactile, le nom de l'ordinateur. Et surtout, si votre version de Windows est bien activée, et comme vous pouvez le constater, elle l'est, il est très important de savoir les caractéristiques exactes de votre ordinateur. Si par exemple, vous voulez changer de système d'exploitation, vous devez savoir si c'est un 32 ou un 64 bits. Connaître les caractéristiques de votre processeur et de votre RAM et de votre disque dur. Pour l'instant, on pense que Windows 10 restera Windows 10. Il n'y aura pas d'autres versions qui seront que des mises à jour, mais on ne sait jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à bientôt sur Ordi94.